Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur The Last of Us. La dernière fois, nous étions allés au lycée pour essayer de trouver une batterie pour avoir une voiture. Malheureusement, c'était vide et on a dû combattre un colosse. Et maintenant, le but, ça va être de s'enfuir du lycée. On va passer par les gradins à ce niveau-là. Allez, on y va. Ok. C'est parti. Ok, allez. Joël, derrière ! Fais chier ! Oh putain de merde ! Ok, donc là, notre vie, on a pris quand même un bon coup. Donc, on va se soigner. Il y a encore pas mal de choses à récupérer avant qu'on parte, par contre. On va faire ça. C'est bon, tu les as eus. Mets-toi. Remonte-moi ! Pas ici ! On n'est pas à l'abri ici ! Il y a une autre échelle, là ! Continuez ! Je suis derrière ! On est bien sorti. Ok. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée. On m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot. Ne mêle pas Tess à ça. Elle peut se foutre. Tout ça n'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup ? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça ? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis ?
J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Nom de Dieu. Encore des trucs à moi. On va fouiller un petit peu quand même pour essayer de récupérer quelques trucs dans la maison. Avant de partir. Ouais, tu vas juste me piquer ce que j'ai et filer, c'est bien ça, Franck. Tu devrais aller fouiller la maison. Il trouvera d'autres trucs utiles. Ouais, bonne idée. Fais-moi signe quand tu seras prêt à y aller. Je te préviendrai. Alors Bill, je doute que tu trouves un jour cette note, car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville. Mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. J'en ai plein de cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie c'est pas ça. Mais ça te dépasse. Et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre. Tu as sans doute raison, tenter de quitter cette ville me tuera. Mais ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi. Bonne chance, Franck. Ok, a priori, ce Franck aimait pas trop quand même notre compagnon de route. Finir de fouiller la maison. Et puis après ça, on va y aller. Je vais essayer de crafter aussi quelques trucs. Je vais avoir normalement assez de gélules sans doute pour avoir une santé maximale améliorée. Voilà, impeccable. Maintenant, voilà, j'ai un cran en plus de vie. Ce qui nous sera utile pour les combats. Ouais. Presque. Alors, ça c'est plein, on a toutes nos balles. Ok, bon a priori c'est bon, on a fait le tour. Donc on va pouvoir y aller, on va pousser la voiture. Ok, c'est parti. La première. C'est déjà fait. Garde le pied sur l'embrayage et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais fais pas tout foiré. Ok, Ellie, prépare-toi. Maintenant, vas-y. Accélère. Parfait. Hey, bien joué, petite. Bill, ça nous aide pas. Ellie, on va essayer encore une fois. Reste concentré. Ok, c'est pas grave, on recommence. Donc, il y a un coureur. Je crois qu'elle va être embêtante celle-là aussi. Du coup, j'ai pas pu finir de le tuer. On recommence. Les gars, de ce côté, sur la gauche. Merde.
On va au camion. Ok, c'est bon, cette fois-ci, on a réussi à passer ça. Alors, c'est plein pour l'instant. Et on va continuer de pousser la voiture, du coup. C'est raté pour ceci, on recommence à nouveau. Voilà, ça risque d'être plus simple avec le fusil à pompe. Alors je recharge juste avant de continuer. Ok Ellie, prépare-toi. Vas-y Ellie, démarre. T'entends ça Bill? Ouais, ça veut dire que les infectés l'entendent aussi. Faut qu'on monte dans ce camion. Laisse tomber, laisse partir. Pas assez rapide. Joël, laisse tomber! On se casse d'ici! Bon, en fait, c'est plus simple comme ça.
Ok, c'est bon. Stop! Laisse-la tourner, ok? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Coup de Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte. On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Tu devais pas dormir. Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Bon, wow. C'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Il n'y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh, non, non. Ah, super. On fait quoi? Fais chier. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Alone in the sick and by faith in my sin. Oh Lord, if you hear me, if you hold my hand, hope you understand. The word. We met in the springtime when blossoms unfold. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite. Je lui guette à pan. Oh!
Allez. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez eux? Reprends ton souffle. On s'en va. Ok. Attention! Baisse-toi! Je vais te buter, enfin. C'est parti. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Ouais, je crois bien. Tant mieux. Parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Bien reçu. Allez, ça semble pas mal, on va pouvoir évacuer maintenant.
Allez. Vas-y. Essaie de trouver un truc pour la retenir. Il y a des trucs vraiment dégueux par ici. Allez. Ouais. Ok, vas-y. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde. Alors, on a récupéré un fumigène. Le sucre oxydé crée un écran de fumée qui vous cache des ennemis. La violente détonation produit quant à elle... se déclenche, étourdit les ennemis pris dans leur rayon d'explosion. Les ennemis ne peuvent pas voir à travers la fumée et ne tirent pas sur les cibles invisibles. Profitez-en pour vous échapper quand vous êtes dépassé ou pour charger un ennemi quand ils sont étourdis. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. La vache. Ces gens ont vraiment pas eu de chance. Je savais que j'aurais dû prendre une autre route avec le camion. On est en vie. Tout juste. Fichons le camp d'ici. Alors ici, on a trouvé tout un manifeste de tout ce qu'ils ont pu voler, je suppose, depuis un petit moment. Ah, a priori, par contre, tout le monde est occupé à chercher la fille, donc je suppose qu'il parle d'Ellie, ça veut dire qu'on est un peu recherché. Comment t'as su ? Sur quoi ? Pour l'embuscade. J'ai déjà été à leur place. Oh. Alors, as tué beaucoup d'innocents ? Oh. Je prends ça pour un oui. Oh. C'est ici que ces connards dorment. Enfin, dormaient. Voilà, et là on a donc le plan de l'embuscade. Alors pour voir si on peut crafter un petit peu des choses. C'est parti. Pour essayer d'améliorer un petit peu nos armes. On va améliorer un peu la cadence de tir du pistolet. Il nous reste 28. Et un petit peu la vitesse de rechargement aussi du fusil à pompe. Voilà. Ça ira très bien.
Bon, voilà le pont, c'est notre sortie. Ellie, ralentis, attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok. Super. Encore un truc qui va me rendre fou. C'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis chasseurs ont fait ça? C'était quoi? Je sais pas. Ellie, baisse-toi. Où est-ce que t'as appris à... Ellie, vite! Hey, je t'emmerde. Il y en avait plein, et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. Waouh! Arrête, tu me fais peur. Alors, ils sont trois. On va essayer de les faire discrètement un par un. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être là. Ils surveillent la nationale. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient chopé un autre groupe d'intrus. C'est une vraie mine d'or là-bas, les vénards. Regarde si tu trouves des trucs dans le coin en les attendant. Y a rien ici. On continue. En fait, j'ai l'impression que discrètement, ça va être compliqué, donc je pense qu'on va le faire un petit peu plus bourrin. Fais chier, j'en ai ras le cul d'attendre. Allons voir ce que foutent ces guignols. À chaque fois, c'est pareil. Putain, si jamais ils nous cachent encore quelque chose... Ouais, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Ouais, je verrai. Ouais, on va même les laisser passer et pas les tuer. Merde. Jetons. Est-ce que ces types sont partout dans la ville? Ouais, on dirait. Et du coup, eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on essaiera d'atteindre le pont de Pittsburgh. J'espère que cet épisode de The Last of Us vous a plu. On se donne rendez-vous prochainement pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis pas tout prêt. À la prochaine. On y arrivera.